Ce soir, nouvelle vidéo, on va changer les roulements de pont et on va mettre des moyeux débrayables, changer les disques et plaquettes en même temps. Voilà, pour ce faire, j'ai pris le kit de réfection pour le pont avant avec les roulements, les joints spi, tout ça, je l'ai acheté sur Caïman Offroad. Les moyeux débrayables Master Forest, comme vous avez reconnu avec la boîte, et disques et plaquettes sur Autodoc. Donc là, on va commencer par la vidange du pont. Pendant que ça vidange, démontage des roues. Démontage des plaquettes maintenant. Donc il y a les vis juste ici. Il y en a deux autres dessous là pour sortir les triers aussi. Après, on va sortir les disques, la flasque, tout quoi. Les freins, c'est vraiment facile, facile. Hein. Quatre vis. Il y a juste là pour sortir le disque, il y a ça qui gêne. Bon, là, on va l'enlever. Hein. Mais franchement, c'est easy, easy. Bon, bah voilà, c'est parti. On va démonter ça. Et après, c'est un puzzle, quoi. Ça se suit. Donc là, j'ai dévissé toutes les vis ici. Et là, en fait, il y a un petit collier. Je sais pas si on voit. Faut l'enlever avec une pince exprès. Avec ça. 24 euros sur Amazon, les 4. Voilà. Maintenant, c'est à lui. Voilà, donc là, il y a un gros boulon comme ça. Après, il y a des petites dents qui vont dessus avec la marque ici, là, pour le mettre. Et là, il y en a un deuxième encore à retirer. Bon, du coup, ça en les sort avec un tournevis plat et le marteau. Ça les marque un peu, mais ça reste correct. Voilà, il y a tout le bloc qui sort, donc le premier roulement, il est là. Un petit peu rouillé quand même. Hein. Maintenant, c'est le démontage de la flasque. Donc juste les deux vis là pour moi. Non, en fait, il y en a quatre. Ils sont cachés aussi. Là, on va décrocher la barre de direction. Et après, on va chercher ce qui pourrait ressembler à des vis. Bon, du coup, je vais retirer ces quatre là. On voit que ça a déjà été ouvert. La pâte, elle a été... C'était fait un peu n'importe comment. Donc là, faut mettre un petit coup sec derrière ici, le pousser, ça sort tout seul. C'est la pâte qui le tient en fait ici. Voilà. Donc là, j'ai enlevé les vis du bol, des joints de bol, pardon. Les guides ici pour le roulement. Et là, je le sors tout doucement. Voilà. L'arbre et le cardan, pardon, il est enlevé. Maintenant, il va falloir nettoyer tout ça. C'est pas très jojo. Voilà, pour finir, il y avait le petit joint spi dedans, là, pour éviter que l'huile du pont elle aille dans la graisse. Celui-là, il est costaud à sortir, hein, franchement. Voilà la suite. Donc là, le petit joint, il est remplacé. Là, il faut sortir les cages avec le roulement. Coup sec. Voilà, donc là les deux bagues sont replacées. Maintenant on va mettre la graisse autour des roulements. Là, je vais déjà faire passer la feutrine et après le caoutchouc pour les joints de bol. Alors mise en place de la feutrine, du joint de bol, donc le roulement, je vais mettre celui d'en bas avec la graisse. Là, nettoyage de ça là. Je vais remettre de la pâte à joint tout autour quand j'aurai mis en place. Alors là, tout est nettoyé, les surfaces, tout est la pâte, l'ancienne pâte, on a enlevé le maximum. On m'a filé ça là de la graisse pour joint. Donc, je vais tout blinder ici. J'ai essayé de mettre le roulement en bas, mais même avec la graisse, il tient pas avec son poids. Du coup, je vais blinder tout ça ici et ici, et après je vous reprends. Deuxième sachet, donc là j'ai blindé derrière, je vais le mettre en place, on est prêt, je blinde tout partout. Donc là, mise en place de la graisse, on a foutu un peu partout, mais il n'y en a jamais assez. Là j'ai mis deux sachets de joint. Maintenant, mise en place du roulement et on monte. Là, faut bien centrer pour le remettre.
Voilà, donc ça c'est revissé en haut, en bas. Maintenant on va reblinder un peu de graisse on va s'occuper des joints de bol. Voilà, les joints de bol sont en place, resserrés. Et là je me suis fait un petit kiff, j'ai blindé ça. Alors deux sachets de graisse comme ça suffit pas, j'en ai rajouté. On enchaîne. Avant la flasque, c'est ça, et avec le repère ici. Là. Voilà, donc on met ça en premier, et après on met les quatre vis qui tiennent la flasque avec de la pâte à joint à chaque fois pour tout ce qu'on fait, même pour les joints de bol. Donc maintenant, il reste ce joint-là, le joint spi, à retirer. Derrière, il y a le roulement, le premier, et le deuxième qui est sorti tout seul. Donc il reste que la bague à retirer. Voilà, donc le petit joint, lui, il vient tout simplement en faisant levier. Franchement, ça sort plutôt bien. J'utilise un petit outil comme ça, là. Après, le roulement, il sort tout seul. Et les cages, en fait, il y a quatre dents. On les voit, là, dedans. Ça fait là, ici, là, là et là. Et du coup, on tape un coup, un coup, un coup, un coup. Et la bague, elle sort toute seule après, pour le roulement. Voilà, c'est sorti. On dirait qu'ici, il y avait un petit bout de pâte à joint. Sur la bague, je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas faut gratter un peu plus. Après de l'autre côté c'est un peu plus relou à sortir celui-là, parce qu'il faut trouver un appui pour pouvoir taper tranquillement. Enfin maintenant, place au montage, nettoyage d'abord et remontage. Donc là c'est la mise en place des cages, et du coup je viens d'acheter un écrou de 50 pour serrer les vis à la fin avec le couple. Et du coup bah en fait c'est une très belle cale pour enfoncer ça bien droit. Franchement super pratique. Voilà, c'est en place. Les bagues sont à leur place. Maintenant, un dernier nettoyage. Après, je vais mettre de la graisse autour des roulements. Et après, on mettra le joint spi. Merci à la douille de 50 encore. Comme ça permet de la mettre bien comme il faut. Donc après, la petite bague ici. Et là, on va commencer à serrer au couple. Donc, serrage à 6 Nm, le premier écrou. Après, on redesserre, on resserre à 1,5 N. Et après, on met le petit écrou cranté. Et le dernier écrou, celui qu'on voit, à 9 N. Et après, j'ai reblindé de graisse. Maintenant, la mise en place des moyeux débrayables. Donc, en fait, ça vient d'un seul morceau comme ça. Tout seul. Et là donc on va mettre ça ici avec un peu de graisse. Après ils vendent il y a une bague avec, on va trouver où elle va, mais à mon avis elle va là à la fin. Et après il y a le petit joint qui va aller là. Je pense qu'il n'y a pas plus simple. Voilà, donc ça c'est une petite rigole là. Ça rentre direct dedans en poussant. Après, il y a juste besoin de ressortir un peu l'arbre, le cardan, je sais pas trop comment ça s'appelle. J'ai mis la bague d'origine, moi j'ai pas mis celle de Master Forest, parce que celle qui est d'origine, il y a le petit crochet. Celle-ci, il n'y en a pas. Voilà, c'est un petit détail. Et du coup, on va dégraisser. Je vais mettre de la pâte à joint avec le joint qui est fourni dans le kit de caillement. Voilà, le moyeu, il est en place. Du coup, ça reprend la pièce d'origine ça là, ça se met à la place de ça. Et du coup, bah, il n'y a plus besoin du cache plastique et de tout ça là. Ça aussi. Maintenant, montage des disques. Voilà, maintenant mise en place des plaquettes. Ça y est, plaquettes en place. Les disques. Maintenant, on remet la roue. Du coup, j'ai attaqué l'autre côté. Je veux pas tout filmer. Et grosso modo, c'est la même chose. On va le gratter un peu plus. Et s'il y a une galère, on avisera. Mais pour ce soir, c'est bon. On va réveiller les voisins sinon.
Voilà, c'est terminé. Je vous ai épargné le deuxième côté, mais tout s'est bien passé. À part sur cette roue-là, j'avais du jeu de haut en bas. Et du coup, j'ai posé la question sur le forum Suzuki Samurai. Et apparemment, c'était parce que j'avais pas assez serré le roulement de roue. Voilà, franchement, niveau novice mécanique, vous pouvez y aller, parce que j'en suis un. Maintenant, il n'y a plus qu'à remettre l'huile de pot et ne pas oublier de la remettre. Et c'est tout. Voilà, à bientôt pour de prochaines aventures.